What's been the highlight so far on the pitch? Moi, le meilleur moment, c'est le match contre Newcastle, où on gagne 3-0. Donc, c'était incroyable. C'était incroyable de vivre ça. Et content aussi d'avoir gagné dans ce derby. What was it that particularly stood out on that day for you? Was it the atmosphere? Was it the result? Ouais, c'est ce match-là. Les supporters, ils ont été incroyables. De toute façon, ils sont toujours incroyables. Qu'on perde ou qu'on gagne, ils sont toujours derrière nous. Et je pense que ça nous donne une certaine motivation aussi sur le terrain. Parce que moi, quand je joue, par exemple, je pense à ma famille, je pense à mes enfants. Et je pense aussi aux supporters. On peut aller jouer n'importe où, il y aura toujours des supporters qui seront là et qui seront derrière nous. Donc, cette atmosphère-là, c'est la première fois que je la vis, des supporters comme ça. Et je suis très content. Hein. Je suis très content d'avoir choisi Sunderland et de vivre ça ici. You formed a good partnership with Lee Catamo in midfield. How much are you enjoying playing alongside him? Ouais, très très bon. Dès le premier match où j'ai joué avec lui, on s'est bien entendu, c'est une très bonne combinaison pour moi, les Catamol. C'est un très très bon joueur. Voilà, c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui récupère beaucoup de ballons, qui les relance bien aussi. Et je m'entends très très bien avec lui et je suis vraiment content de ça. So who has the final word then, you or Lee Catamol? Il n'y aura pas de dispute. Il n'y aura pas de dispute parce que Lee Catamol, c'est quelqu'un de très respectable. Il est très respectueux aussi. Et donc voilà, je pense que non, il n'y aura pas de dispute là-dessus. We've not interviewed you too many times this season. What would your message to the Sunderland fans be ahead of those games? Déjà, c'est de les remercier. De les remercier d'être tout le temps derrière nous, de nous encourager comme ils le font. Et de continuer à le faire. Parce que nous, ça nous aide beaucoup et ça nous donne de la confiance. Et après, j'espère, je le dis, j'espère qu'on va remonter au classement. Voilà. Et qu'on va se battre tous les matchs pour eux, pour nous, pour nos familles, et de sortir de ces zones de relégation. Hello, I'm Yann Mvila. Subscribe to Sunderland YouTube channel. Thank you very much, mate. Thanks. Done. Sorry, I didn't get that. Take that off.